Hey, vous ici, nous retrouvons, nous pour la deuxième partie tout bout. Mais oui, vous ne rêvez pas. Alors, il y a une technique ici, il y en a plusieurs, hein. Vous pouvez tout simplement retirer le fil bleu ou juste foutre un machin pour caler le machin, je crois. Ça fonctionne pareil. Vous êtes un gros connard, vous pouvez faire. Bon, tu lâches. Vous pouvez faire tout simplement un truc dans le genre. Du coup là c'est calé. Et voilà, vous pouvez passer tout simplement. Alors, comme vous avez compris, c'est un truc qui se lie avec tout simplement les machins dans les trucs bleus, etc. comme vous voyez. Mais nous on va pas faire ça, on en a rien à foutre. On va glitcher. Donc pour commencer sur cette map, pour tricher, bah, c'est simple, il suffit de faire ce que je ne fais pas là, c'est de me foirer. On recommence correctement, voilà. Là, vous faites attention parce que là-bas, on ne s'est pas passé, donc il faut essayer de passer par ici. Sinon, bah, c'est perdu. Si vous avez perdu de la mousse, là, vous sautez ici, vous allez là. Alors ici vous avez, voilà, si ça arrive ça, sinon vous passez par le mur et vous faites tout le tour jusque là. Mais si au cas où vous avez du mal et que ça arrive et que du coup vous êtes ici, vous disiez merde, j'ai raté, c'est mort. Non, il y a encore moyen de se sauver. Vous faites chloup, vous faites tout simplement ça, ce que je vais faire là. C'est un peu, ça en demande un peu de doigté, mais il y a moyen. Et je vais vous montrer un truc. On va jouer avec la zone de sauvegarde. Parce qu'il y a un bloc de détection du joueur dans sac jaune. Donc je répète parce que là je ne sais pas parler. Il y a donc un bloc de sauvegarde, ce qui est normal encore hein, pour sauvegarder notre progression. À un certain niveau pour enregistrer le joueur sa position. Et du coup on va jouer avec ça. Vous allez comprendre. Dès qu'on va arriver jusqu'au bout, il suffit de vous balancer. Je vais vous montrer après si mon personnage veut bien coopérer, cet enculé. Espèce de rebou. Et du coup, ça permet de tout simplement. Bon, il y a moyen d'aller plus vite que ça. Hein. Moi, je fais de la merde. Ta gueule, le truc. Donc, en fait, ici, normalement, ici, c'est bon. Vous balancez. Et normalement. Ah non, vous êtes encore un peu. Voilà, ici, vous balancez, ça va enregistrer. Regardez. Hop! Voilà, c'est bon. Et là, vous pouvez vous casser la gueule. Et voilà. Vous êtes passé de l'autre côté. Ça, c'est au cas où si vous vous foirez et que vous n'avez pas su rester sous le mur et que vous n'avez pas su passer ici à là, quoi. Ce qui est possible, hein. Donc ici, vous pouvez éventuellement, si au cas où vous faites une connerie, ouvrir le truc. Ça peut. Ah, mais non, mais ça n'ouvre pas, en fait. Bon, ça peut le laisser tourner éventuellement, ça ne gêne pas. Donc ce que vous faites ici, c'est que vous faites le reste. Et voilà, vous pouvez. Je vais quand même l'arrêter parce que ça me perturbe le son. Donc ici, voilà, vous allez dire il y a un problème. Non, en fait, vous pouvez faire ça. Regardez, vous mettez à la limite et vous reculez comme un imbécile. Voilà, vous voyez, j'ai pas eu passer. Je vais vous montrer. C'est assez. Non, je sais pas bien. Ah! Il y a moyen, j'y suis passé la dernière fois. Non, en fait, il faut faire ça en arrière, en fait. Attendez quelques secondes, que le temps que le truc s'ouvre. Et vous reculez après. Je vous jure, j'avais réussi la dernière fois, hein, ça fonctionne. Non. Voilà. Vous risquez d'être un peu calé. C'est pas grave, c'est normal ça. Vous bagarrez, c'est rien. Allez, 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 petit rebou. Sors de là. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Allez! Oui! Voilà. Donc ça c'est
chose de faite. Donc second, bah là c'est pas difficile. En fait là vous avez ces petits trucs verts là. Du coup c'est bon, là il y a moyen de passer au-dessus du machin. C'est pas compliqué du tout. Je vérifie que ça enregistre bien. Donc, vous faites ça et vous faites choup. Bien sûr mon personnage c'est un imbécile, donc il a attrapé le mauvais truc. Mais il y a moyen de se rattraper. Là, vous montez sur le machin. Voilà, et voilà, et voilà, et là ben, vous sautez, hein. Pas compliqué, et vous faites pareil ici. Bon, vous allez me dire, c'est marrant parce que tu fais pas le jeu correctement, je vous dirais, ben oui, c'est de la triche ce que je fais là, c'est pas bien, on s'en fout, c'est un jeu, hein. Là vous faites pareil, hein. Je vous l'ai fait comprendre, je vous l'ai appris. C'est pas compliqué si le jeu veut bien me laisser jouer. En fait, c'est juste que. Oh non. C'est juste que c'est plus simple comme ça. Si le personnage veut bien monter. Merci, c'est gentil. Voilà. Alors là, il y a peut-être moyen de tricher, mais là, c'est compliqué. Voilà. On y arrive, on y arrive. Donc là on arrive à ce niveau là, donc habituellement comme j'ai dit les gens ils font telle chose, nous on va continuer à glitcher jusqu'au bout parce que c'est rigolo. Peut-être, il faut peut-être passer par là, je vois que ça, passer sûrement par là, ça doit être ça, ça doit être clairement ça. Ouais voilà c'est ici qu'il faut passer, oui oui je me rappelle maintenant, enfin je crois. C'est quoi ça? Ouais c'est tout pour, donc voilà, oui voilà. En fait, vous faites comme je fais là, hein, vous passez le truc. C'est un peu galère, mais il y a moyen d'y arriver. Oui c'est ça, j'étais passé de, je sais où j'étais passé plus ou moins et du coup j'avais réussi à grâce à ça quoi. Ah, je me suis coincé, c'est con. Bon, c'est pas grave, on va faire le truc normalement parce que je sais plus comment j'avais fait. Ça m'agace quand c'est comme ça. Ah 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 ah. Mais c'est galère. Hein. On essaye des choses, on essaye des choses. On va y arriver, on va y arriver. C'est ça la vraie chose. Vous allez me dire, ouais, mais tu pourrais faire les trucs normalement. C'est pour les nuls, ça, de faire les trucs normalement. Comme les développeurs auraient voulu. C'est inintéressant. Non, ici, on essaie de comprendre comment fonctionne le jeu. Bon, on va faire ici les trucs normalement parce que c'est ma faute. J'ai foiré mon truc. Oh non, j'ai pas envie. J'ai tellement pas envie. Oh. Déjà, ah non, j'étais passé par ici, mais oui, je suis con, je suis vraiment désolé pour la gourde. Oui, c'est bien ici que je suis venu, et en fait, j'ai fait ça. Je suis vraiment désolé pour la gourde. C'est une perte de mémoire en fait que j'ai eu, hein. Une perte de données, et j'avais complètement oublié ce que je devais faire, mais c'est pas très grave. Hein. Donc, du coup, vous faites ce que je suis en train de faire là. Vous agrippez au truc, voilà, et vous sautez là, et vous passez par l'autre côté. Ça fonctionne, hein. J'ai fait. C'est juste ici, je fais n'importe quoi, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on va recommencer, mais en tout cas, ça fonctionne. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est parce que, regardez ici, j'ai mal mis le truc.
mettre la caisse correctement. Et là, voilà, regardez, vous voyez, vous passez à travers. Voilà. Voilà, voilà. Alors, soit vous essayez de passer par là, mais ça c'est chaud, ou vous faites tout simplement le tour normalement. Donc voilà, vous tombez. Vous allez par là, hein, c'est pas compliqué là. Normalement, ça fonctionne nickel, voilà. Vous faites le truc là, hein, vous montez par là, voilà, ça sauvegarde. Donc désolé pour la gourde, hein, c'est parce que j'avais une perte de mémoire. Ça arrive. C'est parce que en fait ce truc là, c'est récent que je l'ai fait, ces découvertes là. Donc, donc du coup voilà, c'est con, ça nous fait perdre du temps, mais bon, c'est pas très grave. Espèce de reboot. Tu vas monter. Il veut pas monter. Enculé. De toute façon, supprimer ce qui les gêne. Bon, tu vas monter ou je te fous une claque dans la tronche. Espèce de reboot. Espèce de personnage tout mou. Non, c'est mal fait là. Tu fais des choses quand même. Tu arrêtes. Non, tu te mets quand même. Tu arrêtes. Oh putain, mais c'est galère. C'est quoi ça? Ah oui, c'est machin. Bon, vous faites comme moi. Vous montez par le truc là. Encore une fois, je rappelle, ici on est en plein live, donc c'est galère. Il y a aussi un peu les trucs de connexion qui pourraient jouer, c'est un peu tout ça. Mais bon, je veux dire, c'est parce que je suis un peu tout mou. Je suis très très rigolo comme personnage. Du coup, je galère. Mais je vous assure, hein, si vous jouez, j'en suis sûr que vous y arriverez mieux que moi. Voilà. Attention de ne pas vous faire avoir. Hein. Oh putain. Je suis tant foutre. Bon, vous avez compris le principe ici. Hein, je ne peux plus vous expliquer. Et là, vous faites ça. Voilà. Ça y est, on a réussi. Oh purée, qu'est-ce que c'était compliqué, cette histoire. Donc ici, il faut mettre des machins, jusque là c'est pas compliqué. Vous ouvrez les trucs, allez, hop, voilà. Désolé pour l'attente, hein. Encore navré, faudra, je laisse comme ça. Donc là il nous en manque 6. Je vous dis carrément ce qui manque, hein. il vous en faut juste en tout 3, 2 de chaque dans chaque truc. Là, j'essaie de foutre dedans, mais il veut pas me laisser le mettre. Et c'est grand, hein, regardez. Au début, je pensais qu'il y avait des trucs cachés. Vous pouvez cuire après, avec en plus. Voilà. Vous en mettez un de chaque dedans. Hein. C'est comme ça que ça va. Allez, il va dedans, enculé. Hein. Hein, il faut mettre dedans, hein, pas comme moi. Alors, sinon... ça ne fonctionne pas. Alors là, vous galérez à récupérer le dernier parce que c'est très très rigolo. Et encore, c'est même pas le dernier, hein. Il faut aller en rechercher un autre. Voilà, vous avancez comme un reboot, c'est parfait. Un coucou hibou, faisant référence à coucou Iboué. Non, rien. Référence à Benzai Live pour fuir en fait. Alors. Oui, je cherchais encore le nom. Je suis un cas. Alors, du coup. Oui, je sais qu'il y a un raccourci. Il y a un truc là-bas au loin qui permet de. Mais c'est galère à aller quand tu vas dedans et tout ça, c'est galère. Donc, au lieu de vous casser le cul à récupérer cette voiture-ci. Alors qu'il y en a déjà une, vous allez tout en haut à pied comme moi. C'est un peu longuette, mais bon, il n'y a pas le choix. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous récupérez tout simplement pas plus que 6 charbons. C'est suffisant, pas plus. Il faut pas plus du tout. Juste 6 charbons. En tout, il en faut 3 dans chaque truc, quoi. Enfin, du coup, 2 parce qu'il y en avait déjà 3 par terre, vous avez compris. Du coup, c'est ce qu'on va faire.
Ah oui, vous prenez aussi les plus gros. Alors oui, ici le truc c'est qu'il faut mettre ce camion en dessous du truc et juste mettre 6 charbons. Donc comme vous voyez, on peut pas tout éviter, hein. Là c'est dommage, mais c'est comme ça. Simplement passer en dessous. Pas faire comme moi. Bordel de merde. Ah, c'est pas facile, hein. En fait, quand tu vas arrêter le truc, le machin il continue, quoi. Bon, c'est pas, ça risque de un peu être un peu trop juste. Faut juste que j'avance. Non, bordel de merde, il m'énerve à toujours vouloir continuer. Voilà, ça devrait être bon. Maintenant vous en mettez 6 comme j'ai dit, prenez les plus gros, c'est mieux. Vous pouvez prendre la torche avec, mais on a déjà une au fond, je vais vous montrer après. Non, ici vous visez à prendre les cailloux les plus gros. Voilà, donc. Prenez 6. C'est. Non, mais toi, tu viens. Voilà, celui-là il est gros. Allez, hop. Donc, quand on est plusieurs, ça va plus vite. Hein. Moi, je suis tout seul. Ah, ça fait déjà 3. Que les toupies mirikiki là, ça c'est pas ouf. Plus que 2. Voilà. Voilà, et maintenant vous attendez comme un imbécile que ça descend. Quelle pause, Jojo. Ça tombe, ça se peut depuis le début, ça tombe même pas dans le camion, mais on verra, on verra. Est-ce que ça tombe dans le camion ou ça tombe à côté? C'est bon, c'est tombé dans le camion et c'est pas tombé à côté, ok. Bon ben, let's go, vous dit. C'est long, hein. Qu'est-ce que c'est lent. Bon, c'est normal que ça soit lent, hein, on est d'accord. C'est pour pas avoir difficile, parce que s'il irait plus vite, je pense que tout le monde galérerait à le faire tourner. Donc c'est normal que ça soit quand même plus ou moins lent. Donc c'est compréhensible, hein, mais bon, c'est lent, quoi. Mais c'est normal.
c'est tout à fait louable et normal, parce que si le truc irait hyper vite, ce serait galère. Et d'ailleurs, on arrive à la fin, c'est le dernier, hein. Parce que les autres, je ne les ai pas encore fait. J'ai pas encore fait toute la map pour vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. J'en ai aucune idée. Donc là, vous stoppez le truc et vous récupérez vos machins. Et vous en mettez deux dans chaque. Donc ça fait un sous premier. Ça va être un peu longuette. Si je pourrais en récupérer. Attendez. Ici, on va encore en récupérer un pour faire le tout correct. Et après, j'essaierai de plutôt en récupérer deux par deux. Parce que sinon, ça va être un peu chiant. Tu le mets dedans. Allez. C'est fait ? Non, non. Ça, c'est pas dedans, enculé. Va le mettre. Mon dieu, Dieu. Lâche. Oh. Ces personnages qui n'écoutent pas, quoi. C'est ça. Voilà. Donc celui-là, c'est bon, il est fait. On peut pas les fermer parce qu'il faut mettre encore le truc. Et si au cas où je vois que ça a du succès, les vidéos, je m'entraînerai sur le prochain. Ça dépend du succès de la vidéo parce que ça demande quand même du temps. Ça demande de parcourir plusieurs fois, des centaines de fois les maps, hein, enfin peut-être pas des centaines, mais au moins des entre 10 et 20 fois peut-être, ça dépend vraiment les maps, hein. Ah merde, je suis en train de faire n'importe quoi là par exemple, et du coup voilà, ça prend du temps quoi, donc ça peut prendre 10, 20 fois les maps pour en fait en comprendre tout le secret pour une seule map déjà quoi. Donc vous en doutez que c'est du taf quoi, c'est du taf. C'est grave du taf. Donc si la vidéo, si ça n'a pas de succès, je vois pas l'intérêt de continuer. Ce sera la dernière vidéo. Mais en tout cas, moi je sais que je garderai toujours le fait de le partager, ça peut toujours aider des gens. Ça peut les intéresser. Je dis que c'est pas mauvais pour autant. Hein. Bon, monsieur clé de bras, tu récupères le dernier? Hop, c'est ça. Allez, espèce de rebou. Non, c'est dedans que tu dois aller, espèce d'imbécile. Allez, on va courir avec. Ah oh, putain, allez. Oh, yo. Ça fait un. Et on est sur Twitch, hein. Et j'arrive à m'en sortir. Alors. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va tout simplement aller chercher la flamme. C'est comme je vous avais dit, hein, il n'y a pas besoin d'aller récupérer le truc. Vous avez ce qu'il faut ici. Hein. Vous avez la flamme. Mais... Bon, allez, monte. Lâche. Mon dieu, qu'est-ce qui m'énerve, ce personnage. Hop. Allez. Voilà. Ça. C'est ça. Pour précision, vous pouvez pas mourir, hein. Vous pouvez rentrer dedans et vous faire cuire, voilà. Je cuis. Ça risque rien. Vous êtes invulnérable. Vous pouvez éventuellement, comme un imbécile, refermer les trucs. Ça a rien, hein, mais bon. Si vous voulez refermer après, vous pouvez. Voilà, pour faire que ça fasse plus propre. Parce que c'est la fin, après c'est fini, donc du coup j'en profite pour fermer. Le machin. S'il veut bien. Allez. Non mais.
Oh, nique ta mère. Ouais, tu vas rester ouvert, mon gars. Bon, on s'en fout. Donc voilà, vous pouvez fermer les trucs si vous avez le temps, mais ça sert à rien. Hein. Ça change rien du tout. Le truc, c'est bon dès que ça fait les bruits comme vous attendu. Dès que c'est comme ça, c'est bon. Quand vous voyez tout qui fume, c'est bon. Et en fait, il suffit d'aller là et ça va vous ramener. Voilà, ça va vous mettre en un certain niveau, comme ça, en flottaison. Et en fait, vous avez juste à attraper le bord. Je sais pas pourquoi ça se regarde, mais bon. Voilà, et hop. Rebelote, vous attrapez le bord. Là, c'est normal, vous vous foirez, mais en fait, en dessous, il y a, vous restez contre et vous avez un petit muret. Donc tout ça est prévu que vous vous foirez hein, et vous passez par là. Là, par contre, c'est à vous de faire attention et pas comme moi au risque de vous foirer. Donc là, c'est rare qu'on arrive. Voilà, là vous arrivez à la fin du truc. Et vous sautez. Voilà, coucou. Et voilà, vous arrivez à la fin de cette map. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt, bande de toutous. Je peux éventuellement vous montrer l'autre. Mais le problème, c'est que l'autre, je ne vais pas le faire. Hein, parce que je ne connais pas assez. Donc le suivant, c'est celui-ci. En tout cas, j'ai pas testé. On pourrait vérifier. Mais j'ai pas testé. Comment on pourrait faire au niveau glitch, mais ça pourrait être fait en prochaine vidéo si vous ce style de vidéo vous plaît. Je pourrais éventuellement faire des recherches sur cette map-ci et vous montrer comment la passer au plus vite quand vous n'avez pas envie ou pour vous faire votre malin sur online. Bon, après, c'est vrai que c'est plutôt mieux de pas le faire hein. Entre amis, oui, mais sinon. Et encore, c'est à voir. C'est vraiment parce que c'est dans le sens parce que ça peut peut-être éventuellement gêner des gens. Donc c'est pour ça que je vous dis, réfléchissez avant de le faire. Si vous jouez, c'est peut-être mieux de faire tout normalement. Hein. Donc voilà, je vous dis à bientôt, bande de trutruf. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Saucisse grillée pour tous. J'ai mis mon cul!